We'll be right back.
Ok, alors bonjour tout le monde. Son ici. Excellent. Bonjour tout le monde. Bonjour à ceux aussi qui nous écoutent en rediffusion, puisque vous avez été nombreux à écouter en rediffusion, en fait, la première émission. Donc, en fait, donner un petit peu de statistiques suite à la première émission. Au total, environ une cinquantaine de personnes ont regardé ce que j'ai fait le premier épisode. Que ce soit en live ou en rediffusion. Même, je vous dirais que la portion rediffusion a quand même été plus importante que live. Et c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, en fait, sur Twitch. En fait, on voit. Je vais juste regarder. Est-ce que c'est correct pour tout le monde? Oui, OK, c'est bon. Donc, c'est ça. Sur Twitch, généralement, la rediffusion n'est pas très importante. C'est plutôt le live que les gens participent beaucoup. Et dans le cas de mon épisode, bien, ça a été plus vu en rediffusion qu'en live. Donc, il y a un intérêt, comme je peux voir, aux gens, pour les gens qui ne puissent pas écouter, sur l'heure du midi. Donc, c'est intéressant. Je vais justement revenir, petite précision, là, sur la première diffusion pour ceux qui l'ont regardé. Il y a eu des petits problèmes techniques au début, un problème de désynchronisation du son. Donc, je pense que j'ai réglé ça. J'ai pas ce problème-là aujourd'hui. Aussi, il y a des sons qui ne sont pas faits entendre. Donc, dépendamment des activités qui sont faites pendant la diffusion, il y a des sons. On les a pas entendus. Le niveau de son de mon bureau est à zéro pour une bonne partie du stream. Donc ça, j'ai corrigé ça aussi là, actuellement. Le son, il y a des sons actuellement. Pas des sons, mais le volume est élevé, donc on ne devrait pas avoir ce problème-là. Aussi, j'ai parlé d'abonnement. Je sais que j'ai eu des questions par la suite. Il y en a qui ont essayé de s'abonner juste pour voir qu'est-ce que ça donnait. Donc, pour revenir sur l'abonnement au canal, en fait, écoutez, l'abonnement, c'est pas quelque chose que je recherche avec cette diffusion-là. C'est quelque chose qui est accessible à tous les gens qui diffusent sur Twitch. Mais on a besoin d'un certain volume avant de pouvoir activer cette capacité-là. De pouvoir avoir des gens qui s'abonnent à nous. Donc, un abonnement coûte 5 $ US par mois. Ça permet d'encourager les gens qui diffusent, mais pour arriver à cette capacité-là avec Twitch, il faut avoir un certain niveau de personnes qui suivent, en fait, le canal. Donc, ça prend au moins 50 followers. Je suis pas encore à ces chiffres-là pour l'instant, mais je pense que je vais y arriver éventuellement. Mais l'autre niveau qu'il faut atteindre, c'est un 500 minutes de broadcast par mois. Donc, je suis très loin de ça, là, à deux Twitch d'une heure par mois, à deux sessions, pardon, d'une heure par mois, j'arriverai pas. Donc, c'est pas dramatique, là, je fais pas ça pour aller chercher vraiment de l'argent, je fais ça par plaisir, parce que j'aime passer de l'information. Je suis inondé d'informations à gauche, à droite, à l'interne, puis j'aime bien diffuser cette information-là. Donc, je me sers de cette plateforme-là pour faire ça. Par contre, ce que j'ai remarqué, j'utilise un autre outil, en fait, pour ajouter du contenu dynamique lorsque c'est le temps de diffuser sur Twitch. C'est un outil qui s'appelle, un site web qui s'appelle Streamlab. Donc, ça permet de mettre du contenu plus dynamique. Comme quand quelqu'un décide de me suivre lors de mes diffusions, il y a une petite animation, il y a un petit son qui se fait entendre. Donc, Streamlab, en fait, permet aussi d'ajouter un bouton pour si quelqu'un veut donner un don. Donc, j'ai ajouté ce bouton-là par plaisir. Si jamais ça vous tente de donner un don, ben maintenant, il faut aller dans le petit bouton en bas de ma page sur Twitch, vous allez voir. Donc, les dons s'en vont directement à moi. Streamlab retient aucun pourcentage de ces dons-là. Et moi, comme je vous ai dit à la première émission, s'il y a des gens qui font des dons, l'argent va vraiment servir à améliorer la qualité de la diffusion, tout simplement. Donc, suite à la première diffusion, j'ai eu aussi plusieurs questions, ben, pas plusieurs, quelques questions, des bons commentaires aussi en général. Donc, c'était le fun de lire vos commentaires. Donc, juste pour faire suite avec ça, entre autres, Benoît, je sais pas si Benoît, tu es là aujourd'hui. Benoît m'a fait passer comme commentaire, hey, tu t'enregistres debout. Eh bien oui, je suis debout en ce moment. Effectivement, je travaille une grande partie quand je suis à mon bureau. En fait, je travaille une partie de la journée debout. En fait, ça fait des années que je fais de l'informatique. J'ai plus de 40 ans aujourd'hui, donc j'ai plus de 20 ans d'années que je fais de l'informatique. Et avec les années, ben, lorsqu'on travaille sur l'ordinateur, on est tout poigné, en fait. Puis j'ai développé un mal de dos là, lorsque je reste trop longtemps ici. Le mal de dos apparaît rapidement. Donc, en travaillant debout, j'ai éliminé ce problème-là. Et ce qui est le fun aussi, c'est que non seulement j'ai éliminé ce problème-là, mais le fait d'être debout,
Les après-midi, on s'endort moins, tout simplement, parce qu'on est debout, on génère un petit peu plus d'énergie, donc notre corps a tendance à moins s'endormir. Donc, ça fait des journées beaucoup plus productives. Aussi, j'ai eu comme commentaire, bon, des fois, l'écran shake, là, je peux vous faire shaker ça. Oui, effectivement, la caméra principale, qui en fait pas ma caméra, vous allez me taper sur les doigts, mais c'est la caméra de mon fils. Bon. Donc, j'y emprunte, je la débranche à chaque fois que je veux l'utiliser. Elle est attachée après l'écran. L'écran est attaché après un pied sur le bureau. Et le pied est pas super stable, donc éventuellement je vais essayer de corriger ça. Soit en mettant un pied dédié à la caméra ou en fixant la caméra à un autre endroit. Donc je m'excuse d'avance pour les shakes que vous voyez. Là, j'essaie de, quand je tape sur le clavier, pas taper trop fort là, pour que la caméra vibre en fait. J'ai eu des questions aussi sur les vidéos. Certains m'ont réécrit qui n'ont pas pu assister. Qui m'ont dit, est-ce que je peux accéder aux rediffusions? Je vais juste le répéter, oui, c'est possible. Sur ma page Twitch, il y a un onglet All Vidéo. Vous cliquez sur ça, vous allez voir les anciennes diffusions. Il faut faire attention sur Twitch, comme je ne suis pas un affilié à Twitch, les vidéos restent disponibles seulement 14 jours. Donc aujourd'hui, on devrait voir disparaître celui que j'ai fait la première fois. Pour pallier à ça, ce que je suis en train de faire. En fait, je suis en train de créer une page, pas une page, mais un canal sur YouTube. Donc, on peut synchroniser les vidéos Twitch sur YouTube. Je suis en train de travailler sur ça. Rien de bien fancy, là, juste pouvoir au moins conserver les précédents épisodes. J'ai aussi eu des questions sur, ah, t'as envoyé beaucoup de liens, j'ai pas eu le temps de le copier, j'ai le chat a fermé. Donc, les liens, chaque lien que j'envoie dans le chat, je vais les déposer sur un site web très prochainement. Là, je suis en train de travailler à monter. En fait, j'avais déjà un petit blog sur OpenShift online, mais la version 2 a été décommissionnée en décembre et j'ai perdu ce blog-là. Donc, il faut que je réécris mon blog dans OpenShift online, la version 3. Donc, je suis en train de faire les tests à ce niveau-là. Donc, ça s'en vient. Donc, vous allez pouvoir voir tous les liens sur ce site web-là bientôt. Nouveau aussi aujourd'hui dans le chat, j'ai mis un opérateur, donc Monsieur Eric. Eric, j'espère que tu es encore là. Eric va pouvoir modérer un petit peu ce qui se passe dans le chat. Parce que lorsqu'on diffuse, moi j'ai beaucoup de contenu à passer. De regarder que tout se passe bien en plus de ce qui se passe dans le chat, c'est beaucoup de choses en même temps. Donc, j'ai demandé à Eric de donner un coup de main. Eric qui est un de mes collègues, chère date, pour ceux qui ne connaissent pas, Eric Baudouin, c'est le. C'est merci, salut Eric. Eric Baudouin est le Technical Account Manager. Donc, gros merci Eric de me donner un coup de main ici pour cette diffusion-là. Après ça, qu'est-ce que j'ai eu comme autre commentaire intéressant? Il y en a qui m'ont demandé est-ce que tu vas en faire plus qu'aux 2 semaines? Effectivement, j'ai adressé ce point-là lors de la première épisode, mais je veux juste réitérer. Écoutez, c'est le temps, c'est une question de temps, là. On a des horaires j'ai. Et vous avez des horaires, tout le monde très chargé. Difficile d'en faire un peu plus. Mais bon, je vais regarder ce que je peux faire. J'ai eu une idée comme ça suite à cette question-là. Donc, en revenant du Summit la semaine dernière, j'ai lundi, en fait, j'ai voulu démarrer ma VM Satellite 6. Après presque 2 ans à m'avoir servi cette VM-là, elle a rendu l'âme lundi. Donc la VM s'est corrompue et j'ai perdu en fait mon setup des satellites. Donc ce que j'ai pensé faire peut-être dans les prochains jours, prochaines semaines, lorsque je vais remonter cette VM-là avec satellite, j'ai pensé diffuser ce travail-là pour partager avec vous comment on fait l'installation, les configurations. Je pense que ça pourrait être le fun. Puis je pourrais faire ça en dehors de l'épisode normal, en fait. Puisque ça risque d'être assez long, là. Installer satellite, on n'installe pas satellite en quelques minutes. Donc, je verrai. J'essaierai d'être un petit peu plus créatif et partager un petit peu plus que ce que je fais au travers Twitch. Donc, dernière chose, sur le retour de la semaine passée, de là 2 semaines, en fait, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, ce que j'ai rajouté, en fait, sur le Twitch qui est ici, en haut. On voit ici. Donc, j'ai mis mon courriel tout simplement. Je sais que c'est pas tout le monde qui est long. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez du contenu, ce que vous aimeriez voir peut-être dans les prochains épisodes. Et une chose que j'aimerais vous demander, je veux savoir l'horaire, est-ce que ça fait du sens ou pas pour vous de faire ça un vendredi midi? Je sais que le vendredi midi, il y en a plusieurs qui sortent dîner au restaurant avec les collègues, avec ses collègues.
De mon côté, c'est plus facile pour moi le vendredi. Généralement, je suis au bureau le vendredi midi. Mais j'avais mis comme option peut-être de le faire le jeudi midi. Donc, peut-être que vous aimeriez peut-être se voir le matin ou un autre moment dans la journée. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel sur ça. J'essaye juste de m'ajuster aux gens qui me regardent. Donc, nouvelle section que je veux rajouter, en fait, aux diffusions. En fait, j'en avais parlé un petit peu lorsque j'avais envoyé les premiers courriels d'invitation à suivre ma chaîne. Puis je pense en discutant avec quelqu'un au Summit la semaine passée, quelqu'un qui me disait que ce serait peut-être une bonne idée de parler un peu plus de ce que je fais comme travail, sur quoi on travaille du moins en ce moment. Donc ça donne des idées aux gens, puis ça montre un petit peu quelle sorte de travail que je fais au fait. Donc j'ai eu cette idée-là de rajouter cette section-là, en fait, lorsque je vais diffuser. Et pourquoi pas commencer tout de suite aujourd'hui. Donc la semaine passée, j'étais au Summit. J'ai passé la semaine au Summit, Red Hat Summit. Je vais en parler dans quelques instants. C'est le prochain sujet de discussion. Au retour du Summit, je me suis lancé dans, en fait, la préparation d'un workshop que j'ai annoncé il y a 2 semaines. Un workshop qu'on fait un workshop d'automatisation en fait pour automatiser tout ce qui est charge Windows en fait avec Ansible et ainsi Azure. On a rajouté Azure dans le workshop. Et j'ai eu, c'est ça en fait, on travaille en équipe sur ça. Il n'y a pas juste moi qui monte ce workshop-là. Je travaille avec Sébastien. Je ne sais pas si Sébastien est avec nous aujourd'hui. Et Marcos, mon collègue. Et Eric aussi nous donne un coup de main. Eric va être notre bêta-testeur très bientôt. Donc, on travaille ensemble à monter ce lab-là. Et tiens, juste pour vous montrer un petit peu de code, parce que je sais qu'il y a des gens parmi vous qui adorent le code. Donc, allons juste ouvrir la page GitHub sur quoi on travaille. Oups, je suis trompé. Donc, juste vous montrer un petit peu ce qui a été fait en grosse partie par mon collègue Sébastien. Super travail. Je vais revenir ici. Donc, c'est juste vous montrer un petit playbook. En fait, ce qu'on va proposer ce workshop-là, c'est en fait, on va montrer comment administrer, gérer, automatiser Machine Windows, un Windows Server 2016 qui roule dans Azure. Et Sébastien a écrit en grande partie le script qui va provisionner le playbook. En fait, je ne dirais pas le script, le playbook qui va provisionner les VM du côté Azure. Donc, ce que je veux vous montrer, en fait, bon, c'est les différentes opérations qui sont faites du côté Azure. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être grossir un petit peu ici. On crée une machine CentOS aussi, pour laquelle on va déployer des logiciels à l'intérieur dans la machine Windows ici, qu'on crée. Donc, on va déployer. Ici une étape qui permet de configurer la machine Windows pour être en fait disponible pour être gérée par Ansible. Donc, j'étais juste pour vous donner un petit aperçu là, de sur quoi on travaille et de quoi a l'air le lab. Donc, ici, ces opérations sur la machine Linux. Donc, télécharge des choses, on télécharge Tower et on fait installer Tower par le provisionneur en fait. Et finalement, du côté Windows, on installe Visual Studio Code. En fait, ce qu'on a voulu faire avec ce workshop-là, comme on va livrer ça à des administrateurs Windows, on veut que ce soit simple le plus possible. On veut éviter d'aller en ligne de commande. Donc, on fait installer Visual Studio Code par le provisionneur, outil sur la machine VM. Il y a Git un petit peu plus bas. Et Sébastien, mon collègue Sébastien a trouvé un plugin super intéressant, Visual Studio Code, qui s'appelle SFTP. Donc, il permet de se connecter en remote et pousser du code. Donc, on va essayer au travers de ce workshop-là d'offrir une expérience le moins possible en ligne de commande et le plus possible avec des interfaces. Donc, c'est vraiment ça va être un test, je vous dirais. On le fait à la fin, le 30 mai, à Québec, pour commencer. Et il va y avoir des dates qui vont sortir pour Montréal aussi, bien sûr. Donc, c'est un test. Ça va être une première itération. C'est sûr qu'il va y avoir place à l'amélioration. Est-ce qu'il le fait? On a une bonne collaboration avec Microsoft. Donc, j'ai parlé plusieurs fois déjà avec eux.
essayer d'optimiser un petit peu notre code, essayer d'optimiser ce qu'on fait du côté Azure pour donner un petit peu plus de performance. Donc, les gars sont très excités. Les gens de Microsoft vont être présents lors du workshop à la fin mai. OK. Maintenant, prochain topic. Avant d'embarquer dans les sujets principaux, j'aime bien présenter des petites démos que le temps avance déjà midi quart. Donc, vous présentez une petite démo. Je sais que c'est pas tout le monde qui est allé au summit ou qui a regardé le summit. On a fait trois démos sur le lors des keynotes sur le stage principal. Trois excellentes démos. Je vais vous en montrer une qui est vraiment intéressante, qui je pense va aussi vous accrocher. Donc, je vous ouvre ça dans quelques instants. Je vais voir si ça fonctionne ici. Ce sera pas très long. 36 minutes, je vous partage mon bureau. Donc, c'est une démo. En fait, les trois démos principales ont été faites par l'équipe de Burr Sutter. Burr est une machine à faire des démos. Elle a travaillé très fort sur ces démos-là pendant plusieurs mois. En fait, il a démontré ces démos-là lors du summit. Je ne montrerai pas les trois, là, parce qu'on en aurait plus que pour 45 minutes. Je vais juste vous montrer celle-là qui est super intéressante. En fait, on montre les capacités d'OpenShift en mode multi-cloud, donc avec OpenStack, avec Azure et Amazon. Vous allez voir les charges réparties sur les clouds et subitement dans la démo, à un moment donné, quelqu'un va s'apercevoir quoi, s'il y a un problème avec un des clouds. Alors, il se connecte à Insight et Insight nous dit c'est quoi le problème et le corrige aussi d'un simple clic. Donc, super démo. Je vous laisse regarder cette démo-là, puis je vous reviens après. And lighting it up with OpenStack Director and making it OpenShift, ready for developers to build their next generation applications. Now we want to show you one of those next generation applications. And what we've done is we've taken OpenShift and spread it out and installed it across Azure and Amazon, a true hybrid cloud. So with me on stage today is Ted, who's going to walk us through an application, and Brett Midwood, who's our DevOps engineer, who's going to make sure he's monitoring on the backside that we do make sure we do a good job. So at this point, Ted, what have you got for us? Thank you, Burr, and good morning, everybody. This morning, we are running on the stage in our private cloud an application that's providing it's providing fraud detection service for financial transactions. And our customer base is rather large, and we occasionally take extended bursts of traffic, of heavy traffic load. So in order to keep our latency down and keep our customers happy, we've deployed extra service capacity in the public cloud. So we have capacity with Microsoft Azure in Texas and with Amazon Web Services in Ohio. So we use OpenShift Container Platform on all three locations because OpenShift makes it easy for us to deploy our containerized services wherever we want to put them. But the question still remains, how do we establish seamless communication across our entire enterprise? And more importantly, how do we balance the workload across these three locations in such a way that we efficiently use our resources and that we give our customers the best possible experience? So this is where Red Hat AMQ Interconnect comes in. As you can see, we've deployed AMQ Interconnect alongside our fraud detection application in all three locations. And if I switch to the AMQ console, we'll see the topology of the network that we've created here. So the router inside the onstage here has made connections outbound to the public routers in AWS and Azure. These connections are secured using mutual TLS authentication and encryption. And once these connections are established, AMQ figures out the best way automatically to route traffic to where it needs to get to. So what we have right now is a distributed, reliable, brokerless message bus that expands our entire enterprise. Now, if you want to learn more about this, make sure that you catch the AMQ breakout tomorrow at 11:45 with Jack Britton and David Ingham. Let's have a look at the message flow. And we'll dive in and isolate the fraud detection API that we're interested in. And what we see is that all the traffic is being handled in the private cloud. That's what we expect because our latencies are low and they're acceptable. But now, if we take a little bit of a burst of increased traffic,
we're going to see that AMQ is going to push a little of that traffic out onto the out to the public cloud. So Azure's picking up some of the load now to keep the latencies down. Now, when that subsides, Azure finishes up what it's doing and goes back offline. Now, if we take a much bigger load increase, you'll see two things. First of all, Azure is going to take a bigger proportion than it did before, and Amazon Web Services is going to get thrown into the fray as well. Now, AWS is actually doing less work than I expected it to do. I expected a little bit of bigger of a slice there. But this is an interesting illustration of what's going on for load balancing. AMQ load balancing is sending requests to the services that have the lowest backlog in order to keep the latencies as steady as possible. So AWS is probably running slowly for some reason, and that's causing AMQ to push less traffic its way. Now, the other thing you're going to notice is, if you look carefully, this graph fluctuates slightly, and those fluctuations are caused by all the variances in the network. We have the cloud on stage, and we have the clouds in the various places across the country. There's a lot of equipment, a lot of layers of virtualization and networking in between, and we're reacting in real time to the reality on the digital street. So, Burr, what's the story with AWS? I noticed there's a problem right here right now. We seem to have a little bit of a performance issue. Yeah. So, guys, I noticed that as well, and a little bit ago I actually got an alert from Red Hat Insights letting us know that there might be some potential optimizations we could make to our environment. Okay. So let's take a okay. quick look at Insights. So here's the Red Hat Insights interface. You can see our three OpenShift deployments. So we have the setup here on stage in San Francisco. We have our Azure deployment in Texas, and we also have our AWS deployment in Ohio. And Insights is highlighting that that deployment in Ohio may have some issues that need some attention. So Red Hat Insights collects anonymized data from managed systems across our customer environment, and that gives us visibility into things like vulnerabilities, compliance, configuration assessment, and of course Red Hat subscription consumption. All of this is presented in a SaaS offering, so it's really, really easy to use. It requires minimal infrastructure up front, and it provides an immediate return on investment. What Insights is showing us here is that we have some potential issues on the configuration side that may need some attention. From this view, I actually get a look at all the systems in our inventory, including instances and containers, and you can see here on the left that Insights is highlighting one of those instances as needing some potential attention. It might be a candidate for optimization. This might be related to the issues that you were seeing just a minute ago. Insights uses machine learning and AI techniques to analyze all collected data. So we combine collected data from not only this system's configuration, but also with other systems from across the Red Hat customer base. This allows us to compare ourselves to how we're doing across the entire set of industries, including our own vertical, in this case, the financial services industry, and we can compare ourselves to other customers. We also get access to tailored recommendations that let us know what we can do to optimize our systems. So in this particular case, we're actually detecting an issue here where we are an outlier. So our configuration has been compared to other configurations across the customer base. And in this particular instance, in this security group, we're misconfigured. And so Insights actually gives us the steps that we need to use to remediate the situation. And the really neat thing here is that we actually get access to a custom Ansible playbook. So if we want to automate that type of a remediation, we can use this inside of Red Hat Ansible Tower, Red Hat Satellite, Red Hat Cloud Forms. It's really, really powerful. The other thing here is that we can actually apply these recommendations right from within the Red Hat Insights interface. So with just a few clicks, I can select all the recommendations that Insights is making, and using that built-in Ansible automation, I can apply those recommendations really, really quickly across a variety of systems. This type of intelligent automation is really cool. It's really fast and powerful. So really quickly here, we're going to see the impact of those changes. And so we can tell that we're doing a little better than we were a few minutes ago when compared across the customer base as well as within the financial industry. And if we go back and look at the map, we should see that our AWS deployment in Ohio is in a much better state than it was just a few minutes ago. So I'm wondering, Ted, if this had any effect and might be helping with some of the issues that you were seeing. Oh, let's take a look. Looks like it went green. Now let's see what it looks like over here. Yeah. So it doesn't look like the configuration has taken effect quite yet. Maybe there's some delay. Little moment. There it goes. Okay. Awesome. Fantastic. Grant is the man. Yeah. So now we're load balancing across the three clouds. Very nice. Fantastic. Okay, donc c'était
Juste vous donner un petit aperçu du genre de démo en fait qui était présenté au Summit. Donc, il y en a eu trois comme ça. Je vous invite à aller les voir. Ils sont disponibles sur le canal YouTube de Red Hat Summit. Je vais donner le lien dans quelques instants. Très cool ce qui s'en vient avec Insight. Ce que vous avez vu avec Insight, en fait, n'est pas disponible pour l'instant. C'est dans le roadmap d'Insight. On devrait voir apparaître cette nouvelle capacité-là dans Insight dans les prochaines releases, quelque part plus tard cet été, au début de l'automne. Et pour ceux qui se demandent c'est quoi Insight, eh bien c'est un outil, c'est un service en ligne que Red Hat offre d'analyse temps réel sur vos machines et fournir des recommandations, comme vous venez de voir, et en plus, on fournit les playbooks. On permet même de rouler les playbooks automatiquement pour corriger ces machines-là. Donc, ça vient avec un abonnement spécial. C'est pas un service gratuit, ça vient avec l'abonnement Smart Management, qui vous donne aussi en même temps l'accès à satellite. Donc, très intéressant. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre ici dans mes notes? Au niveau des annonces, ben, peut-être pour répéter un petit peu ce que j'ai dit, rien que bouger depuis 2 semaines, mais on a le workshop qui s'en vient. Donc, je le mets, le workshop que j'ai parlé au tout début, le Ansible Windows Workshop à Québec. Pour Montréal, faut être patient, ça s'en vient, on n'a pas de date d'arrêt encore. Sinon, on a un autre événement encore avec Québec, avec Microsoft. Je mets le lien ici si vous voulez vous inscrire. Donc, c'est une présentation conjointe avec Microsoft. C'est pratiquement une journée au complet sur SQL sur Linux, OpenShift sur Azure. Et on va parler aussi d'automatisation avec Ansible. Côté Montréal, qu'est-ce qui s'en vient? On a le ROG, on est en discussion pour l'instant, le prochain ROG quelque part en juin. Donc, surveillez ça. Et j'y vais avec mes deux sujets finalement, et midi 26. Pratiquement une demi-heure plus tard, on embarque sur les sujets principaux de la diffusion. Donc, je veux tout d'abord commencer avec un retour sur le Summit. Okay. Je vais voir si tout est correct encore. Oui. Okay. Merci, Eric. Eric a mis le lien des sessions du Summit dans le chat. Donc, maintenant, retour sur Summit. Tellement de choses à dire sur le Summit, les amis. C'est incroyable tout ce qui se passe dans une semaine comme ça. Plus de 300 sessions qui ont été livrées au Summit. Je n'ai pas le nombre de labs, mais une quantité aussi assez impressionnante de labs. Plusieurs keynotes. J'ai participé cette année pour la première fois à tous les keynotes. Vraiment, le contenu est vraiment intéressant. Je vais vous en cibler d'autres dans quelques instants. Des kiosques à voir dans le partenaire, dans la section partenaire de l'événement. Des kiosques, il y en a 40-50, je n'ai pas le nombre exact, là, mais c'est assez impressionnant. Cette année, plus de 6 500 personnes qui ont participé. Donc, on rencontre des gens de toutes les industries. Donc, c'est vraiment quelque chose. Les soirées, il y a beaucoup de soirées organisées par les partenaires, des soupers, des croisières sur les bateaux. Nous, de notre côté, on a sorti plusieurs clients aussi dans des restaurants. Et finalement, on a eu le party à la toute fin du Summit qui a été super. Je vous montre des photos dans quelques instants. Une des choses qu'on fait super le fun au Summit, ça s'appelle le Customer Briefing Customer, le CBC. Customer Briefing Center, pardon. Je l'ai mal écrit ici. Et j'ai eu la chance d'en faire un. Je sais que c'est pas tout... C'est pas tous les clients qui ont eu la chance d'aller à ce CBC-là, mais je sais qu'il y en a plusieurs qui l'ont fait. Donc, CBC, ça permet en fait de rencontrer les product managers ou même la haute direction chez Red Hat. Donc, c'est au troisième étage cette année. C'est au troisième étage en haut. Qu'est-ce qu'il y avait à voir avec les sessions générales, en fait. Donc, et je l'ai fait une fois. Je vais juste vous parler un petit peu de ce qui s'est passé avec celui que j'ai fait. On a eu une belle expérience. En fait, c'est un client de la région de Québec qui a un projet CEF en cours pour lequel ce client-là a engagé notre équipe de service pour faire de l'optimisation en fait d'environnement CEF, sans aller trop dans le détail. Et ce client-là est venu au Summit et le représentant avec qui je travaille, Alex, a organisé cette rencontre-là avec le product manager de CEF. Et aussi, les gens qui participaient à cette rencontre-là, il y avait les gens qui ont travaillé sur le projet aussi avec ce client-là, les gens de l'équipe de service.
l'équipe de CIF, donc une bonne équipe qui était présente. Et la personne en charge, en fait, du projet, au début du meeting, nous dit: « Ah, écoutez, j'ai deux invités spéciaux pour vous. » Je regarde Alex, je dis: « Tiens, mon doux, qui? On n'est pas au courant de ça. Qui va amener comme invité spécial? » Fait que deux jeunes hommes qui rentrent en trentaine. Je regarde le tag et c'était inscrit leur nom. Et bien sûr, leur nom de compagnie, c'était Walmart. Donc, deux personnes de Walmart qui venaient en profiter pour rencontrer ce client-là. Explique un petit peu ce qu'ils font avec CIF, et le responsable de cette rencontre-là les présente. Elle dit: « Écoutez, je vous présente, nomme les personnes. » Il dit: « C'est les deux administrateurs qui gèrent le plus gros environnement CIF au monde. » Donc, ça a été un meeting qui a duré 1 heure et demie. Ça a été super, des bonnes questions, des très bonnes réponses de la part de l'équipe de Walmart, des gens passionnés par CIF. Des gens qui ont fait le tour de la roue beaucoup avec CIF, donc il y avait beaucoup à partager avec notre client. Donc, c'est le genre d'expérience qu'on peut vivre au Summit. Donc, c'est super, super le fun. Je vais vous montrer, tiens, j'ai pris quelques photos. Donc, ça va faire une bonne tournée. On va y aller du côté plus visuel un petit peu. Donc, je vous emmène ça sur le bureau. Ça ne sera pas très long. J'ai perdu ma page ici. Donc, je vous montre quelques photos. D'abord, notre arrivée à San Francisco. Regardez qu'est-ce qui se passe avec l'avion. Ceux qui me suivent sur Twitter, vous avez sûrement vu cette photo-là. Je l'ai postée sur Twitter. Bref, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en arrivant à San Francisco, il y avait congestion. Et on était vraiment en train d'atterrir la première fois. Il y avait un avion juste à côté de nous. On pouvait la voir très bien. Donc, vite, notre avion est remonté. Elle a fait... pas un tour, mais deux tours de la ville au complet avant de pouvoir atterrir. Donc, il y avait beaucoup d'activités à San Francisco cette semaine-là. Oups, désolé. Je voulais mettre mute avant, puis je n'ai pas été capable. Donc, désolé pour la chum. Donc, je m'entends parler dans mon micro maintenant. Donc, on a fini par atterrir. Ce qui est le fun, par contre, avec cette petite expérience-là, c'est que j'ai été capable de prendre une super photo des environs de San Francisco, c'est la Californie. Pour ceux qui ne sont jamais allés, c'est de toute beauté, la chaîne de montagnes, ce qu'on voit. Je crois qu'ici, on voit l'autoroute numéro 1, ou la route numéro 1. Je l'ai déjà fait, là, plusieurs années, avec un collègue de travail, magnifique route, mais il ne faut pas avoir des problèmes de cœur, de... vomissement quand ça monte et descend subitement et que ça tourne. Donc, mais magnifique. En fait, vous voyez la petite zone ici. Lorsqu'on a passé ici, là, j'ai pris cette photo-là. Donc, voici le premier matin au Summit à l'enregistrement. On était 6500 cette année. C'était bien organisé. Moi, je suis arrivé plus tôt, donc j'ai passé très rapidement, mais les gens qui arrivaient vers 8 heures étaient quand même... Il y avait une longue file d'attente, mais ça allait quand même assez vite parce que c'était des barcodes qu'on scannait sur le téléphone. Donc, c'était pas très long là, nécessairement à passer à l'enregistrement. Vous montrer aussi ce qui est le fun dans ces genres d'événements-là, c'est que là, ce que vous voyez, c'est de l'intérieur du centre de convention, à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? On a décoré un petit peu le centre-ville de San Francisco, on l'a tapissé de drapeaux Red Hat. J'ai vu dans le passé aussi à certains aéroports là, où on décorait... certaines gates à l'aéroport avec la date. Donc, c'est le fun, ça met dans l'ambiance vraiment du manufacturier de cette semaine-là, du moins dédiée à la date. Ici, c'est dans les labs où j'ai travaillé la première journée, le mardi matin. Vous pouvez voir Victor Esteval ici, qui est le product manager de CloudForm. Donc, je travaille dans un lab sur CloudForm. Vous avez d'autres de mes collègues ici, Fabien et Christian, qui a monté le lab. Goetz, qui est un Allemand. Donc, Victor parle espagnol, allemand, et moi et Fabien parlait français. On l'a proposé d'ailleurs aux participants, s'il y en a qui voulaient être aidés dans leur langue, on était disponible. Et à ma grande surprise, je n'ai pas aidé juste des Québécois, j'ai aidé d'autres personnes, d'autres pays qui parlent francophone, quelques pays européens, bien sûr, dans la salle. Vous avez ici le centre principal où avait lieu le summit, le Moscone West. Enfin, on couvrait deux campus au Moscone. Moscone West, c'est West et South, pardon. Le Sud, celui du Sud, on ne le voit pas sur cette photo-là. Le Sud est en réparation. Voilà 2 ans, on avait fait l'événement dans le Sud, qui est beaucoup plus gros que celui
de l'Ouest. Mais bref, c'est sans doute un des plus gros centres de convention aux États-Unis. Donc, Tapissier Red Hat encore une fois. Donc, ici, vous vous retrouvez la salle, en fait, où avaient lieu les keynotes. J'ai une autre petite animation un petit peu plus loin sur la salle. Un de mes collègues qui a pris une meilleure photo que la mienne. Bon, quelques slides ici que j'ai pris. Ici, on parlait d'une compagnie qui faisait un témoignage sur OpenShift. Je trouvais ça, c'était un bon résumé de ce qu'OpenShift rapporte. Donc, ici, la compagnie avait déployé 60 applications en production en moins de 12 mois. On passait d'un temps de déploiement de quelques semaines à quelques minutes et a permis de rendre disponibles les applications à 100% de disponibilité. Et vraiment, ce qui accrochait beaucoup, c'est la culture d'innovation, en fait, que OpenShift apporte dans les compagnies. Donc, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont soit en POC ou soit qui ont déjà déployé OpenShift. Donc, je trouvais que c'était une belle slide qui résumait ce que OpenShift peut apporter. Ce qu'on a annoncé, puis je vais revenir un petit peu sur ça tout à l'heure. Donc, on a annoncé que OpenShift va rouler nativement maintenant du côté Azure. Donc, ici, voici les deux commandes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je devine que oui, je peux dessus. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Trop zoomé, oups. Bref. Je vais essayer. Ouais, bref, on voit les deux commandes ici qu'il faut lancer tout simplement du côté Azure pour lancer un environnement OpenShift. Donc très facile. C'est pas encore disponible en ligne, là, ça s'en vient. Mais c'est ce qu'on a annoncé qui est intéressant. Ici, au deuxième étage, il y avait un drôle de kiosque ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Encore une fois, je vais peut-être zoomer. Donc, on voit des gens qui font la file. Ce kiosque-là était très populaire. Là. En fait, des gens qui font la file pour aller se faire imprimer des t-shirts. Donc, on choisissait en fait ce qu'on voulait mettre sur le t-shirt, sa couleur, sa grosseur, tout simplement. Mais ce kiosque-là, j'ai voulu y aller, puis les files étaient très, très longues. Je ne suis pas allé, là, mais ça a été un kiosque très populaire au Summit. Là. Les chandails, tout ce qui est goodies, là, les gens courent après ça dans ces conventions-là. Ici, super intéressant. J'ai participé à quelques sessions, dont une ici qui était sur Walmart, coïncidence. Là, lorsque j'ai assisté à cette présentation-là, je ne savais pas qu'on allait les rencontrer dans le CBC. Bref, ici, on a les chiffres de déploiement de satellites. Donc, non seulement Walmart est le plus gros environnement CEF au monde, mais est aussi le plus gros environnement satellite au monde. 60 000 hosts d'attachés. Regardez le pic de download en pactage, 182 000 pactages donnés à l'heure, c'est astronomique comme chiffre. Et où on vraiment porté son attention, c'est dans les chiffres rouges en bas. Regardez, un seul serveur satellite. On ne parle pas des satellites en cluster, c'est vraiment un seul serveur satellite avec une multitude de capsules, 22 capsules qui vont fournir à cet environnement-là, des chiffres très impressionnants. Question, je suis certain que vous avez, mais qu'est-ce qu'ils font avec juste un serveur satellite? Si le serveur satellite tombe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, eux nous ont répondu que tout simplement, ils ont des scripts de backup pour satellite qui roulent régulièrement et que s'ils tombent en panne, ils sont capables de le remonter quand même assez rapidement. Ils nous ont dit que c'est une VM aussi. Donc, si c'est le host qui tombe en panne, c'est pas grave, on le repart sur un autre. Donc, pour eux, de mettre un satellite en HA, c'était trop complexe. Donc, ils préfèrent y aller avec un, avec plusieurs capsules. Donc, c'est ce qu'on voit beaucoup ici. C'est ce que j'entends souvent de nos consultants. Là. Au lieu d'y aller avec un setup, un satellite en HA, c'était beaucoup plus complexe. Juste vous montrer ici le dashboard qu'ils ont produit. En fait, Walmart a construit ce dashboard-là. Ce n'est pas des dashboards qui viennent out of the box de satellite. En fait, à votre droite, vous avez le dashboard qui vient de satellite. En fait, par Call API vers satellite, et à votre gauche, j'avais leur environnement Puppet. Chez Walmart, ils utilisent Puppet Enterprise connecté avec satellite. Et ici, ce qui est bien, c'est qu'ils marquaient les métriques étaient importantes à collecter, en fait, pour monitorer leur environnement satellite au travers en utilisant Grafana. Donc ici, à titre de référence, vous l'avez. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pourrez prendre expérience, du moins, de ce que Walmart fait. Autre chose intéressante au sommet, c'est les boots. Ici, on est dans la section community, en fait, la section où on voit tous les projets communautaires attachés à nos produits. Ici, dans le projet communautaire, il y avait un de mes collègues avec qui j'ai travaillé. Peut-être que certains d'entre vous à Montréal l'ont rencontré, Tom Calloway. En fait, avec Tom, j'ai travaillé le projet de la maison du logiciel libre, la défunte
maison du Léchelim, malheureusement. Donc, Tom a emmené son setup personnel, là, son imprimante 3D attachée à Fedora. Donc, il expliquait que tout est contrôlé par des logiciels communautaires pour faire ce genre d'impression-là. La boule blanche, on ne le voit pas bien, mais c'était super cette boule-là. Là. Sur cette boule-là, elle vient d'imprimer tous les noms, plusieurs noms de projets open source. Donc, ça faisait une belle lampe à mettre dans son bureau ou dans sa chambre. San Francisco, magnifique ville. Pour ceux qui ne sont jamais allés, regardez ici, là, je vais zoomer. Là. Regardez les côtes. Les côtes de San Francisco, vous l'avez sans doute déjà vu dans un film. Les côtes sont impressionnantes. Regardez les machines qui se stationnent. Donc, quelque chose de particulier à San Francisco. Les cable cars ici, on a fait une tournée, je vais revenir sur ça dans quelques instants. Donc, les cable cars de plus proche. Le matin. Un des matins, le mercredi matin, il y avait un 5 km pour les courageux, donc 5h45 du matin. Je peux vous dire que ça n'a pas été difficile de se lever à 5h45. On est décalé 3 heures. Donc, je me suis levé très tôt toute la semaine, justement parce que je suis resté un peu sur le décalage. Donc, 5h45, ça faisait un petit bout, j'étais debout. J'en ai profité pour aller courir. J'ai couru avec une personne de Vidéotron. Vous pouvez voir qu'il y avait beaucoup de monde. Ce que je vais vous montrer sur cette photo-là. C'est super le fun. Regardez ici, il y avait un stand de souliers. Donc, c'était possible d'essayer des souliers pour la course. Première fois que je voyais ça. Donc, j'en ai profité. La marque On, je ne connaissais pas du tout. Mais regardez comment ça fitait bien avec la thématique Run on Cloud. Donc, c'est la marque On et le modèle des souliers qu'ils nous faisaient essayer, c'est Clouds. J'ai tellement adoré que j'ai acheté. J'ai acheté les souliers. On avait un rabais comme on les avait essayés. Donc, magnifique course d'ailleurs qu'on a fait le matin. On s'est rendu au Bay Bridge. On peut voir le Bay Bridge ici. On va le voir d'un petit peu plus proche dans les prochaines. Là. Magnifique photo du Bay Bridge. Et juste pour vous montrer que j'étais bien là, photo de moi à côté du Bay Bridge, bien sûr. Autre activité assez spéciale, un petit peu, au sommet. On voulait encourager un organisme local qui distribue du matériel d'école à des enfants. Donc, on a mis une table ici. Les gens remplissaient les sacs avec des crayons, des calculatrices, des papiers et laissaient un petit mot d'encouragement pour les enfants. Les sacs, les gens ne partaient pas avec. On les mettait dans les boîtes ici. Donc, cet organisme-là, en fait, cherchait une main-d'œuvre gratuite pour remplir les sacs. C'est ce qu'ils en ont profité au Red Hat Summit pour faire ça. The Cube, je ne sais pas si vous connaissez. Ils font des épisodes, ils font du vidéo en ligne. Ils font beaucoup de vidéos en ligne, en fait, sur des interviews. Avec des gens de l'industrie en informatique. Regardez le setup qu'ils avaient, assez impressionnant. Là, j'ai regardé un petit peu ce qu'ils faisaient. Ici, on voit ici aussi, on ne le voit pas super bien à gauche, là, mais il y avait une belle, vraiment un beau setup, là, très professionnel. On a aussi le podcast Command Line Heroes qui était là. C'est un nouveau podcast depuis quelques mois qui roule chez Red Hat. Des gens en profitaient pour faire des interviews. Encore une fois, on a pratiquement toute la grosse partie de l'équipe des product managers, du haut management de Red Hat. Donc, on en profite pour faire des interviews, bien sûr, dans ce genre d'événement-là. Ici, c'est la session Roadmap sur RHEL que j'ai assisté. Juste donner les chiffres de 2017, on peut voir qu'au niveau OS, là, Red Hat domine, bien sûr, tous les autres OS, incluant ceux de Microsoft et d'Apple. Donc, c'est le fun de voir qu'il y a encore un super engouement pour notre système d'exploitation. La semaine passée, je vous ai parlé de vidéo. Quand j'ai vu cette slide-là, je me suis dit, oh, c'est un bon complément. Donc, je sais qu'il y en a qui avaient posé des questions sur ça. Est-ce que c'est quoi le ratio qu'on va chercher? Donc, ça dépend toujours de la workload. Donc, ici, plus qu'on a une workload qui est des données redondantes, plus qu'on va chercher du potentiel pour sauver l'espace en utilisant vidéo. Donc, belle petite slide ici. Donc, ça ici, c'est notre tournée. En fait, le jeudi soir, juste avant le spectacle de fin. Des gens de Desjardins étaient dans la file pour embarquer dans le tramway et m'ont invité à aller avec eux. Donc, j'ai été chanceux, j'ai pas eu à faire la file pour embarquer, ils l'ont fait pour moi. On est arrivé, on passait tout près de une des rues les plus populaires à San Francisco, la Lombard Street. Magnifique rue, on le voit pas super bien. Là. C'est une rue avec plein de fleurs, ça fait des zigzags. Là. Je l'ai déjà fait en auto il y a plusieurs années, puis je l'ai déjà couru. Je crois que deux sommets, j'étais allé courir un matin sur la rue, là, vraiment magnifique comme rue. Et ici, vous avez finalement Alcatraz, la prison d'Alcatraz au fond. Donc, on arrivait en cable car ici. Il fallait aller prendre une file. La file était très, très longue, on a pris un Uber pour venir.
Et pour finir, le summit, magnifique spectacle sur, avec sa, sur les années 90, décor des années 90, des casquettes des années 90. Donc, c'était magnifique spectacle de Weezer. Ce que vraiment j'ai adoré, c'est la portion ici, la portion arcade style des années 80-90. Donc, il y a peut-être des gens qui se reconnaissent ici, des gens du Québec, sur cette slide-là. Cette image-là, grosse table de baby-foot et finalement même différents des vieilles arcades. Donc j'ai aimé, très belle ambiance, excellent spectacle de Weezer. Depuis en fait, je suis arrivé du sommet, j'écoute juste du Weezer dans mon auto. Vraiment, ils ont joué une grosse partie du succès sur l'album bleu. Donc ça a été un très très bon spectacle qu'ils nous ont donné. OK. Donc, quoi d'autre sur le summit? Est-ce qu'on a encore des gens avec nous? Oui, on n'a pas une grosse quantité de personnes en live aujourd'hui. Je m'en doutais un petit peu. Je n'ai pas vraiment fait d'annonce sur le meet-up. Les annonces se sont faites juste au travers Twitter et Twitch, enfin, a fait une notification. Donc, on va peut-être avoir plus de gens qui vont regarder la diffusion. Quoi d'autre sur le summit? Juste, ah oui, il y a ça ici que je vais vous montrer. Le setup... je vais terminer avec ça. Je vais passer un petit peu avec elle. Juste vous montrer encore une fois le desktop ici. Je vais zoomer si je suis capable. Donc, c'était les 13 écrans en fait des keynotes. La salle est énorme. Là. Il y a 7700 personnes dans cette salle-là. Là. Donc, les écrans étaient complètement démesurés. Donc, c'est ce que je voulais montrer là, à Kevin qui a mis ça sur Twitter. Je trouvais ça intéressant. Quoi d'autre? Ah oh, oui. Côté keynote. Je vais finir avec deux petites choses sur le summit. Côté keynote, je vais vous montrer ça. Je vais aller. Une minute une. Je m'en viens ici. Je ne montre pas la vidéo, là. Juste vous montrer un des keynotes qui était assez particulier cette année. C'est la première fois que je voyais ça au Red Hat Summit. On y arrive. Ouais. Donc, je suis une de nos Jewelboss ambassadeurs. Elle a un amazing YouTube channel that I would please ask you to check out and subscribe. She's LEG Jewelboss on YouTube. She's an amazing coder, and I'm really excited to introduce you today to Ellie Merci Galloway. Rick pour le lien, pour ça. Come on out, Ellie. Donc, regardez, j'ai une fille de 11 ans, enfin, qui vient sur le stage devant 6000 personnes. Regarde, on va juste écouter un petit peu, là. Hello, my name is Ellie Galloway. I'm going to show you how I got coding, and then show you some coding in action. I first started... Je l'avance un petit peu, là, pour montrer. Elle code actuellement du C, C++, ça, je pense que c'est C++, devant 5000 personnes, donc expérience assez unique pour elle, vous l'écouterez au complet. Je vais vous montrer ici, ici. Je vais aller voir le temps, c'était 1:08. Donc, un jeune homme de 12 ans. Et c'est son. Donc, un jeune homme de 12 ans qui organise des clubs, qui fait une tournée et qui fait coder les gens. Donc, il est venu présenter, en fait, ce qu'il faisait sur le stage. Donc, belle place aux enfants cette année au Summit. Quelque chose de nouveau. C'est le fun. J'ai des enfants. Moi, ce que j'ai fait, la première chose, c'est que j'ai envoyé ces vidéos-là à mes enfants. Regardez ça, c'est génial. Donc, de voir des enfants faire des présentations devant autant de personnes, là, c'est toute une expérience et tout un exploit. Quoi d'autre? Côté annonce, Summit, revenir très rapidement sur ça. On a IBM et Microsoft qui ont fait sensiblement la même annonce. Donc, OpenShift maintenant disponible dans leur cloud. Et ce qu'ils ont fait en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont intégré les applications directement dans le service catalogue d'OpenShift. Donc, plusieurs applications, là, dans le cas d'IBM, WebSphere, MQ, DB2. Maintenant, on peut être lancé directement dans le catalogue d'OpenShift. Et vous avez aussi, du côté Microsoft, le même principe. Donc, possible de déployer maintenant OpenShift très facilement dans Azure, pardon, et de lancer certains services Azure à partir d'OpenShift.
qui est aussi a été annoncé du côté de Microsoft, c'est qu'OpenShift va être géré, être offert en service géré sur Azure, et aussi OpenShift peut rouler maintenant sur leur plateforme Azure Stack. Donc des annonces intéressantes. Quoi d'autre? Quelque chose qui m'a accroché, quelque chose que je n'avais pas vraiment exploré dans le passé, ce sont tout ce qui est en rapport avec le machine learning. Donc, quelque chose que je n'avais vraiment pas du tout exploré. Superbe présentation, encore une fois, en keynote. Vraiment une des meilleures présentations que j'ai vues. Je vous montre ça dans quelques instants. OK, je vous mets ça sur le desktop. Donc, je ne vois pas le nom de la personne, là, mais c'est une fille de Google. En fait, les gens qui présentent de Google présentent très, très bien celle-ci. Belle façon de présenter c'est quoi le machine learning. Donc, si vous êtes curieux, vous ne savez pas c'est quoi ou comment ça fonctionne, allez voir regardez cette présentation-là. C'est très bien. Moi, en fait, ça m'a donné le goût d'approfondir ça au sommet. Fait que je suis allé voir des sessions sur le machine learning par la suite. Je vais voir des sessions sur TensorFlow. Donc, je peux vous mettre la session sur TensorFlow. Qui parle entre autres de machine learning avec OpenShift. Donc, je vous invite à aller voir ça, cette session-là. Vraiment une session super intéressante. Quoi d'autre? Oui, suite à cette session-là, en fait, je suis allé dans un dîner où les gens qui travaillent dans le gouvernement, les secteurs avoisinants du gouvernement, venir voir un panel. Et sur le panel, il y avait mon collègue David X qui parlait justement de machine learning et qui disait que pour Cockpit, un des outils qu'on a avec REL, on a dans les top contributeurs, dans le top 5 des contributeurs, on a une intelligence artificielle qui est là. Donc, je vous montre ça. Super intéressant cet aspect-là. Donc, on va bien ici. Donc, je vous montre le code source de Cockpit qui est sur GitHub. Sur GitHub, on peut voir qui contribue en fait au projet. Donc, si je m'en vais au niveau des contributeurs, on va voir les top 5 des contributeurs. Et regardez le numéro ici. 3, c'est Cockpitus, qui est un robot qui est là, en fait. Donc, si je regarde au niveau des pull requests, je ne sais pas si ça va marcher. Oui, on en a un ici. Regardez, quand c'est écrit bot, là, c'est que c'est un robot. Donc, si je reviens directement à Cockpitus pour voir ses commits. Donc, et oui. Et ce qui est drôle, regardez, non seulement il crée des commits, mais il crée des commentaires sur les commits. Donc, très intéressant. L'intelligence artificielle, le machine learning, là, définitivement, c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus. Sujet très intéressant qui a été adressé dans plusieurs sessions au Summit. Donc, Eric a déjà envoyé les sessions, je crois, pour les annonces. Si vous voulez aller voir toutes les petites sessions, une centaine de sessions qui ont été filmées au Summit. Je vais juste mettre le lien ici. Donc, vous pouvez aller les voir là. Plusieurs très bonnes sessions. Donc, qu'est-ce que c'est dit pour le Summit? Je vois que, de toute façon, je pense que je n'embarquerai pas dans mon sujet principal. Il est pratiquement une heure. Je vois qu'on n'a pas beaucoup de participants aujourd'hui. Donc, je n'embarquerai pas dans un nouveau sujet. Je vais garder ça plutôt pour la prochaine diffusion. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur le Summit? Je vais garder en note. Peut-être avant de finir. Ou je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions pour ceux qui sont encore avec nous. Questions, commentaires? Laissez-moi regarder ce que j'ai de bon dans mes notes. J'ai pris beaucoup de notes. Okay, oui, je peux peut-être parler un petit peu. En fait, il y a une section au Summit qui sont dans les booths des partenaires, une section qui est très Red Hat. Dans cette section-là, il y avait plusieurs ordinateurs qu'on pouvait regarder des démos. Il y avait plusieurs items présentés là en roadmap. Donc, si vous n'avez pas eu la chance, de ceux qui sont participés au Summit, d'aller voir ça. C'est quelque chose à voir à chaque année. Donc, moi, je suis allé me promener une journée après-midi pour aller voir c'était quoi les démos. Je suis tombé sur la démo de l'Image Builder qui va être inclus dans Cockpit. Je pense qu'il va s'appeler Composer. Donc, il permet de créer des images réelles pour des machines physiques, des machines virtuelles, du cloud. Donc, c'est très bien. Ça va être intégré dans Cockpit. J'ai vu une petite démonstration. Ça devrait être disponible, je crois, dans les prochaines versions de REL.
donc quelque part cet automne. Sinon, je suis allé voir le nouveau service catalogue d'OpenShift. Ce qui est très cool, ce qu'on a fait avec ce service catalogue-là, c'est qu'on a ajouté un workflow approval à l'intérieur. Donc, quand vous commandez des services sur OpenShift, les services peuvent demander qu'un manager ou une équipe approuve votre demande. Donc, le tout se fait au travers JBoss BPM. On utilise notre propre technologie, finalement, pour gérer ce workflow-là. Et aussi, c'est la même technologie qui va donner le coût associé à ça. Donc, ça, c'est ce qui s'en vient avec OpenShift. Et vous savez qu'avec OpenShift aussi, au travers le Ansible Broker, on peut appeler au travers du service catalogue d'OpenShift pratiquement n'importe quel service qui roule dans un cloud. Je parlais d'Azure tantôt, tu parlais d'IBM. Donc, on va faire le même aspect avec CloudForms. Vous allez pouvoir appeler des items au travers OpenShift dans CloudForms. Très intéressant. Ce que j'ai vu très rapidement aussi dans une des keynotes qui m'ont accroché et que je veux passer plus de temps dans les prochaines semaines sur ça, c'est Kubevert. Donc, vous savez, quand on roule une machine virtuelle avec KVM, c'est un process. OpenShift roule des containers qui sont des process. Donc, pourquoi pas utiliser OpenShift pour rouler et gérer des machines virtuelles aussi. Alors, c'est ce qui est démontré. En fait, c'est pas OpenShift, c'est Kubernetes qui s'en occupe, là, mais en fait, ça a été démontré sur le stage et dans des sessions. Donc, Kubevert, très intéressant. Je ne peux pas aller trop dans le détail avec Kubevert, mais c'est quelque chose que je vais explorer dans les prochaines semaines. Donc, je vais finir. Je pense que j'ai une question dans le chat. Quelle sera l'évolution d'OpenShift vis-à-vis des serveurs standard dans les prochaines années? Croissance. Oh, ça, c'est une bonne question. Dapicen. Donc, très bonne question. Écoutez, ce qu'on a vu beaucoup au Summit, c'est qu'on a parlé, il y a eu beaucoup de sessions qui mentionnaient OpenShift, Kubernetes. On ne roule pas ça sur de la VM, on roule ça sur de la machine physique. Et effectivement, donc on pourrait avoir une certaine, pas disparition, mais vraiment un retrait des machines virtuelles pour rouler des containers. On va les rouler plutôt directement sur de la machine physique. Donc, je dirais un retour des machines physiques, mais oui, on pourrait voir OpenShift prendre de plus en plus de place, comme peut-être OS par défaut sur les machines. Je ne suis pas en train de vous parler du roadmap de RHEL 8, mais faut jeter un œil là-dessus sur l'évolution d'OpenShift comme une espèce de framework pour OS. Bref, ça reste à voir. C'est une bonne question. Je ne suis pas dans le secret des dieux, là. Ce que je dis là, c'est ce que moi j'ai vu, ce que j'ai détecté un petit peu de ce que je peux voir, mais c'est pas un roadmap officiel de Red Hat que je suis en train de vous dévoiler là. J'ai aucune idée de ce qui se passe avec RHEL 8, mais c'est sûr qu'on parle beaucoup de containers, on parle beaucoup d'OpenShift. D'ailleurs, au Summit, c'était très tapissé OpenShift cette année là. On a eu des années où on a connu des tapisseries très OpenStack, au moins une année. Après ça, on est viré OpenShift, mais cette année, gros focus sur OpenShift. On voyait OpenShift pratiquement partout. Donc c'est ça. Donc, sur ça, on arrive à presque une heure. S'il y en a qui ont d'autres questions, je peux répondre à vos questions. Sinon, on va se dire à dans 2 semaines, je vais essayer de voir, peut-être pour changer ma façon d'annoncer, ça fait plaisir, d'annoncer la tenue de ces séances-là, parce que c'est le fun quand les gens viennent live, beaucoup plus interactif. Donc, peut-être utiliser un autre médium de communication pour annoncer ces streams-là. Mais sinon, si vous avez apprécié, parlez-en à votre entourage, parlez-en à vos collègues. C'est quelque chose que je veux continuer, que je veux faire évoluer. J'ai déjà discuté dans le premier épisode que je voulais emmener peut-être des collaborateurs sur ça. Donc, on va travailler là-dessus dans les prochaines semaines. Donc sur ça, merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps, votre heure de dîner pour la passer avec moi. C'est très apprécié. Merci Eric pour ton coup de main. Je sais que ça n'a pas été très actif aujourd'hui du côté du chat, mais merci quand même pour les liens que tu as partagés avec nous. Alors, bonne fin de semaine et on se voit dans 2 semaines.